Et là, peut-être que ça fonctionnera mieux. Bonjour à tous, comment ça va bien? Oh là là, hey, ça foire, c'est la première fois. Alors aujourd'hui, c'est vraiment unique, vous allez voir. C'est vraiment spécial, c'est vraiment unique. Il y a une personne derrière qui attend, là, dans les loges. Et qui sera avec vous d'ici très peu de temps, voilà. Mais avant toute chose, quand même, je tiens quand même à vous signaler... que c'est une grande journée parce qu'il va y avoir beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de choses à présenter. Je fais un big up pour une charmante dame qui aujourd'hui fête ses 28 ans et demi, c'est ça? Donc Cynthia, bon anniversaire, voilà, j'espère que t'étais là derrière l'écran en tous les cas. Voilà, c'était pour toi. Pour ce 9e live, merci. Et en plus, vous êtes là de plus en plus tôt. Vous êtes là, vous réagissez. Merci Michel. Michel est le premier. Le premier, il arrive directement. Paf, il est là. Il veut être première de file. Bonjour Philippe. J'espère que ça va bien. J'espère que vous m'entendez aussi. J'espère que tout se passe bien. Oui, alors, je continue dans le fil de discussion. Je fais un petit peu de pub, hein. Vous allez voir dans la description en dessous, si vous cherchez vraiment de beaux logos, de super beaux logos, très design, très, allez-y, foncez, c'est une dame, elle s'appelle Lorraine, elle est juste géniale, elle communique, mais vraiment parfait, allez-y, foncez. Un bonjour à nos amis belges hein, pour la fête nationale aujourd'hui parce que nous sommes le 21 juillet, voilà, une semaine après le 14. Donc voilà, c'est pile poil, hein, je l'ai fait chaque semaine, voilà, le 14 juillet c'était fête nationale, c'était le live de la semaine dernière, aujourd'hui c'est la Belgique, c'est parfait, voilà, donc bonjour à nos amis belges également. Pour nos amis musulmans, et ben c'est l'Aïd el-Kébir, joyeuse fête également. Hein, on va tout fêter, hein, bien sûr, mais on a 5 minutes, hein, on va très très vite. Un grand merci en tous les cas pour les fidèles. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours, mais vraiment c'est juste génial. Merci beaucoup d'être là, d'être présent, d'être chaque semaine. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment juste génial. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je continue. Bonsoir, très impatient. Ben, bonjour Olivier. Bonjour Adrien. Comment ça va bien? Voilà, et donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, donc, soit sur Facebook, soit sur YouTube. N'hésitez pas, hein, c'est un petit like, ça me fera toujours super plaisir. Et puis, de toute façon, vous allez voir de nouveautés et ça va de plus en plus aller, hein, bien sûr. Vous allez avoir beaucoup de surprises au fur et à mesure. Le principe du live, c'est simple, vous posez une question, je peux vous répondre. Si jamais je ne réponds pas, eh ben, je suis sûr qu'il y a une personne qui va répondre dans le chat. Bonjour Dominique Baron, salut, ça va? Un grand merci aussi au groupe Facebook Informatique. Merci à toi en tous les cas, Claudio. Merci Claudio de partager et de lancer toujours les publicités. C'est vraiment un réel plaisir de t'avoir aussi. Et puis voilà. Donc si jamais vous avez besoin aussi d'aide en tout ce qui est programmation, en tout ce qui est informatique, etc., vous avez juste en dessous le lien Discord, hein, discord.mrsamform.net. C'est une plateforme avec laquelle vous pouvez discuter avec d'autres personnes dans un salon ou même en privé avec d'autres personnes. Mon prof... Ah, ça va. Par contre, je m'inquiète parce qu'il n'y a personne de Facebook qui écrit. Je pense qu'à mon avis, il y a un petit souci sur Facebook, je ne sais pas. On verra bien qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si sur l'événement, ça passe comme ça, je sais pas. J'en ai aucune idée, c'est la première fois que je fais l'événement. On verra bien si ça prend. En tous les cas, merci d'être là. Aujourd'hui, je vous ai dit, il va y avoir du lourd, du très lourd, du extrêmement lourd. Je vous accueille et avec un tonnerre d'applaudissements. Bah, je vais le faire que moi, hein, puisque à mon avis, on va entendre que moi. Mais je vous demanderai d'applaudir et d'accueillir notre ami Alexis de la chaîne WP Origami. Voilà, il est là. Bah, bonjour Alexis, comment tu vas?
Bonjour, ça va et toi? Ben ça va, ça va. Un petit peu en stress parce qu'il y a eu quelques petits trucs et je regarderai pendant une petite brève description de ce que... Ben, présente-toi, voilà, en quelques mots, présente-toi, dis qu'est-ce que tu fais et voilà. Alexis, du coup, la chaîne WordPress Origami qui est une référence au logiciel sur lequel je taffe. Donc j'ai une chaîne, je crée du contenu, je forme les gens sur ce logiciel qui s'appelle WordPress qui sert à créer des sites internet. Donc WordPress, c'est un logiciel qui est très, très, très souple aujourd'hui puisque ça sert à créer un site marchand hein, pour un commerce, un site vitrine tout simple, un blog, un site pour un restaurant, des places de marché. On peut créer tout un tas de projets avec. Et du coup, j'en suis quand même un petit peu au début de la vie de mon projet. Cette chaîne existe depuis 2019, surtout 2020. Et voilà, tout simplement. Ok, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'étais juste en train de faire un petit lien sur la page parce que vraiment, je sais pas ce qui se passe. Alors, je fais juste ce lien et puis on y va. De toute façon, on va attaquer. Waouh, je viens de voir qu'on est passé à 1000. Ben, merci les gars. Merci beaucoup. Merci, ça fait super plaisir. Merci. Voilà, j'ai juste ça à dire. 1000 abonnés quand même sur la chaîne. Donc merci d'être là. Merci beaucoup. Bon, allez, j'enchaîne. test sur YouTube, Adrien. Ouais, bah ça fonctionne, Adrien. Merci. Mais ouais, Facebook, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Il y a eu un petit bug. En tous les cas, je vois qu'on est déjà 16. C'est bien, c'est bien. Ça avance, ça monte de plus en plus. C'est cool. Merci d'être là. Merci de venir en tous les cas. Donc, aujourd'hui, gros sujet, comme vous avez compris, comme Alexis vous a dit, on va travailler dans le vif du sujet de WordPress. WordPress, c'est quoi? C'est tout simplement... Alors, tu vas m'arrêter, hein, Alexis, hein, si je dis des conneries, hein, parce que je suis un pseudo-débutant amateur sur WordPress. WordPress, c'est donc un moteur, en fait, qui va, tout simplement, va vous donner la possibilité de faire soit un site vitrine, également, comme Alexis vous a dit tout à l'heure, mais également où vous pouvez faire un blog, tout simplement, avec des articles, et effectivement, des... Ben, bonjour Med, bonjour Sylvie, bonjour, enchanté, bienvenue, voilà, ben, c'est les aléas du direct, Alexis, hein, donc voilà, donc il faut dire bonjour à tout le monde. Pas de soucis. Je et donc. Ah, c'est ton premier live en plus. Ah, bah. J'ai voilà, jamais parfait. Fait. Jamais. Ok. Jamais. Bah, moi, c'est le premier événement live Facebook. Voilà, ça déconne, je ne recommencerai plus. Mais voilà. J'en étais où? Ah, bah, t'as des bonjours, Alexis, de la chaîne, en tous les cas. Il y en a beaucoup qui t'écrit. Bonjour, Philippe. WordPress, voilà, donc WordPress c'est un moteur justement qui va vous permettre de créer un site internet plus ou moins rapidement, facilement, et vous allez voir que c'est, comme je vous ai parlé il y a 2-3 semaines de ça, comme un peu Firefox, c'est une espèce de grosse boule avec laquelle vous pouvez mettre pas mal de modules autour. Alors, pourquoi, vous allez me dire, pourquoi on doit mettre des modules? Alors comme je viens de vous l'expliquer, on peut mettre un site commerce, donc c'est une boule que vous devez greffer sur WordPress justement pour avoir ben un site e-commerce, voilà. Et vous pouvez avoir plusieurs modules différents, donc notamment pour optimiser, pour rendre plus beau, pour créer des boutons super beaux quand vous passez dessus. Enfin voilà, donc vous allez voir. Mais attention, on va pas tout apprendre en une heure. Pardon ? Ajouter des fonctionnalités, donc de manière générale. Voilà, ajouter des fonctionnalités, merci. Tu peux m'en citer une ou deux, par exemple? Oh là là, c'est très 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 bien. Hein, par défaut, il y a pas de... On ajoute dès qu'on a le moindre besoin. Ça peut être, par exemple, ce qu'on appelle des plugins. Hein, ça se plug littéralement, c'est des extensions. C'est comme des apps hein, sur un téléphone, c'est la même chose. On ajoute des apps pour avoir des fonctionnalités différentes en fonction de ses besoins. On va faire la même chose sur WordPress. Par exemple, là, ce qui me vient en tête, ça peut être des petits assistants pour faire du référencement naturel sur Google. Ça va ajouter plein de petites fonctionnalités qui vont nous donner des recommandations pour améliorer nos pages, pour in fine améliorer nos positions sur Google, des choses comme ça. Le fait même d'avoir un site e-commerce, c'est aussi une extension, un plugin. Ça ajoute des fonctionnalités marchandes à un site, etc., etc. En fait, hein, tout ce que j'ai cité avant, restaurant, marketplace, tout ça, ça sous-entend qu'il faut installer du coup des extensions. Ok, ben merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va notamment voir comment on installe WordPress. Alors avant
d'installer WordPress, il faut héberger WordPress. Donc héberger, c'est bien sûr la petite maison avec laquelle on va avoir notre nom de domaine. Donc là, vous le connaissez un petit peu, un nom de domaine, c'est un petit peu du style google.com, par exemple. Alors Adrien, WooCommerce, oui, voilà, par exemple, WooCommerce, c'est un plugin. Donc, d'abord, on doit mettre un nom de domaine, donc comme j'ai dit hein, tout à l'heure, hein, un .lu, .fr, .be pour la Belgique, hein, honneur à la Belgique aujourd'hui hein, parce que fête nationale, .fr pour la France, .com bah, pour le commercial, .es pour Espagne, et j'en passe, hein, j'en passe. Donc voilà, donc ça c'est un nom de domaine qui va en fait se diriger vers un hébergement avec lequel vous allez mettre justement ce moteur qui est WordPress. Et aujourd'hui, alors je vais vous donner 2-3 hébergeurs, est-ce que toi tu en connais ? Comme ça, par pur hasard, Alexis. Ah bah oui, les leaders aujourd'hui sur le marché français européen, ça va être OVH, par exemple. Le plus connu, je pense, c'est OVH. Ok, ouais, OVH, ouais, par exemple. Les Singers que moi, je recommande souvent, il y en existe plus plein d'autres, mais c'est plus ou moins haut de gamme ou entrée de gamme. Donc OVH, O2 Switch, qui est beaucoup cité en France aussi, qui sont français, oui. Eux. O2 Switch, ouais. Planet Hoster, One on One, il y en a 40 000. Ok, bon ben voilà, je présente un petit peu mon écran, donc voilà un ouais. Petit peu à quoi ça correspond. Là on a O2 Switch, bien sûr, on a OVH, donc qui est le leader effectivement aujourd'hui en France. Ben tout simplement, vous achetez un hébergeur, donc là vous avez ici par exemple la solution Web Cloud, vous avez le nom de domaine, mais vous avez aussi l'hébergement web. Alors n'ayez pas peur, hein, quand vous cliquez sur hébergement web, quand on clique dessus, on va avoir la possibilité d'avoir plusieurs types d'hébergement. Donc après, à voir ce que vous allez mettre dans votre site. Plus vous allez mettre par exemple de photos, vous allez avoir besoin de beaucoup de place. Si vous mettez des vidéos également, vous avez besoin de beaucoup de place. Alors après maintenant, à voir si vous allez traiter tout ça avec YouTube, donc c'est-à-dire des petits raccourcis pour juste montrer des vidéos sur votre site internet. Mais ayez en tête, voilà, plus vous mettez des choses dedans, plus ça va alourdir les choses et plus vous allez avoir besoin de taille. Donc là, je prends par exemple l'hébergement individuel de OVH, hein, perso. Alors attention, hein, on n'est pas du tout sponsorisé. Hein, bah, je pense pas, hein, Alexis, tu n'es pas sponsorisé par OVH. C'est juste... Je ne crois même pas qu'il y ait de campagne d'affiliation. Hein, je sais pas si ça existe. Ok. Donc... voilà, donc je vous rassure aussi, hein, je ne suis pas chez OVH. D'ailleurs, j'allais vous proposer un autre hébergeur également que justement Alexis l'a bien nommé. Donc hébergement individuel, on a perso ici, on paye donc 2,99€ par mois. Et vous avez la possibilité de faire 5 sites internet et le stockage de 100Go, ce qui est pas mal. Voilà, donc après maintenant, si vous faites un petit site internet, vous n'allez pas forcément avoir besoin de toute cette place, mais c'est toujours sympa d'avoir cette extension de place. Et puis on a par exemple là je prends un serveur performance avec laquelle les nombres de sites sont illimités, les ressources sont garanties, la puissance plus. Alors ça c'est très important, on peut le dire hein, Alexis, WordPress est quand même un petit peu gourmand, un petit peu il a besoin quand même, malgré que c'est quand même très performant, très très allégé, mais il faut savoir que plus vous allez mettre de choses dessus, plus vous allez alourdir votre site internet. Donc forcément, voilà, il faut un hébergement qui suit derrière également. Voilà, tu me confirmes ? Ça dépend des besoins. Si on est sur un site tout simple, ce qu'on appelle un site vitrine, donc si vous avez une activité professionnelle, vous voulez un site pro, vous voulez 2-3 pages dessus, page contact, etc. Ce genre de projet-là, aujourd'hui, ça ne nécessite vraiment pas des hébergements particulièrement performants, puisque je l'ai même montré récemment sur mon travail, sur mon contenu, mais on peut faire finalement un site comme ça avec une seule extension finalement. Alors, c'est contre-intuitif, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire sur WordPress, mais c'est possible, ça fonctionne bien, le site sera pro, et surtout, on parlait d'extension tout à l'heure, bah, moins il y a d'extensions et plus le site sera performant. Donc, en fait, il y a des tas de projets pour lesquels vous n'avez pas besoin d'un hébergement très performant. Typiquement, chez OVH, on va chez leur offre qui s'appelle Performant. On y va dessus quand on a vraiment plutôt un site e-commerce, par exemple. Qui plus okay. est, j'ai même envie de dire, quand on a un site e-commerce, et qu'il y a déjà des ventes, du trafic dessus, etc. Ça ne sert à rien de s'engluer là-dedans au début. C'est des dépenses, je pense, inutiles. On peut scale ça assez facilement, hein, c'est-à-dire juste dépenser plus au moment où on en a besoin. Mais au début, vous pouvez aller sur des hébergements d'entrée de gamme sans trop de problèmes. En sachant que je dis ça, OVH, je ne recommande plus trop aujourd'hui. Mais bon, pourquoi pas OVH ? S'il faut, pourquoi pas ? Ok, d'accord. Donc O2 Switch, hein, Cocorico aussi, donc c'est vraiment l'hébergeur web par excellence. Alors
J'ai une expérience avec Odo Switch il y a très 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 longtemps. Le SAV vraiment, mais vraiment était très bon à l'époque. Bon voilà, après j'ai changé d'hébergement. Il y a notamment donc Planet Hoster. C'est aussi un bon petit hébergeur. Je pense que tu l'avais cité dans tes références également. Non, ok. Il est souvent cité. Il y en a plein en fait, mais j'ai vraiment pas. Au bout d'un moment, t'as pas vraiment le temps de tous les tester. Sauf si tu fais un taf comme moi, qui est un taf de créateur de contenu. Et là, en partie, ton travail peut consister justement à faire des tests pour aider et aiguiller un peu les gens. Mais moi, je n'ai pas fait ces tests-là. En fait, c'est les hébergeurs que moi, j'utilise dans mes projets. Donc, au début, j'ai toujours connu OVH. Et j'en ai eu marre un jour. Et je suis passé très largement soit sur un truc qui est haut de gamme, qui s'appelle Cloudways, que j'utilise du coup sur mon site perso, soit pour tous les autres et les projets en général, je recommande toujours Hostinger. Cloudways ou alors… Hostinger. Hostinger, ils ont des prix qui sont imbattables. Je ne sais pas pourquoi, en fait, ils ont des prix aussi peu chers. Je me demande comment ils font pour être rentables. Mais toujours est-il qu'il y a un très, très, très bon rapport qualité-prix. J'insiste sur le rapport qualité-prix. Donc, on peut y aller les yeux fermés, selon moi. Moi, après, j'utilise Cloudways, mais c'est parce que je pense que j'ai de bonnes raisons d'aller tout de suite vers un hébergement qui est un peu plus haut de gamme. Ça va me coûter 13 euros par mois hors taxe, je crois. D'accord. Ça me fait un truc un peu plus solide. Et comme moi, j'ai toute mon activité qui est basée là-dessus et tout, je préfère payer un peu plus cher et être vraiment tranquille. Ok. Je ne sais pas si c'est le bon site que je suis dessus. Cloud, W-A-Z-E.com. Cloudways, W-A-Y-S. Ah, ok. Ouais, alors ouais. Ouais. Ok. Effectivement, ça n'a rien à voir parce que je me suis dit, oula, c'est un site un peu vieux. Effectivement, ouais. D'accord, ouais. Ça change totalement. Cloudways, okay, ils sont incontournables, hein. Ils sont très connus dans le milieu, pas juste WordPress, hein. Création de site en général pour héberger son site, mais bien sûr pour WordPress aussi, ils sont connus. Ils sont vraiment pas les plus chers non plus, hein. Ils sont pas donnés, ça dépend des offres, mais ils sont pas les plus chers. D'accord, bon ben voilà, ben, on apprend tous les jours, hein. Voilà, donc vous avez vraiment le choix avec plusieurs hébergements. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas faire une démonstration sur un hébergeur, et là j'entends parler, oh dommage, mais on va travailler en local. Alors qu'est-ce que c'est le local? Alors j'ai quelques messages quand même, hein. J'ai Malek qui nous dit HostGator aussi, Adrien qui nous dit en plus Hostinger auto-installer WordPress. Oui, alors là, je pense que tu rejoins avec moi Alexis. Tous les hébergeurs proposent aujourd'hui un one click, quasiment, hein, quasiment tous, surtout quand ils sont dans du cPanel. Non, j'ai jamais installé WordPress tout seul, jamais. Ok. J'ai toujours utilisé depuis le début que je travaille OVH, Cloudways, Hostinger, tous. Ok, d'accord. Bonjour Olivier, bonjour, enchanté. Allez, on y va. Donc je vais vous montrer comment installer WordPress en local. Donc en local, quand je parle local, c'est-à-dire WordPress va se trouver sur votre machine. Oui, c'est vous qui allez faire un hébergement de votre propre site internet. Alors attention, hein, bien sûr, on pourrait éventuellement mettre un nom de domaine qui pointe sur votre ordinateur, mais alors là, c'est vraiment déconseillé à fond, puisque vous êtes dans un environnement qui sera totalement développeur. Donc voilà, j'ai plusieurs solutions à vous proposer. La plus facile que j'ai en main, c'est LocalWP. Il y en a plusieurs autres, hein. Il y a AZPHP, il y a WAMP, il y a XAMPP, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'autres. Mais celle que je trouve la plus facile à déployer avec un one-click, bien sûr, bah forcément, hein, one click, c'est LocalWP. Voilà, que vous soyez débutant ou amateur ou éventuellement expert, je pense pas que les experts vont passer là-dessus, c'est quand même une application qui est bien sympa. Donc voilà, donc le site se propose de cette façon. Aussi, les experts aussi, hein, bossent sur le Flywheel, ouais. Local, ils vont changer de nom du coup. Mais... D'accord. Alors, l'avantage de ça, bien sûr, hein, si vous avez la version payante, c'est qu'en 2-3 clics, ben, arrête-moi si je me trompe, mais en 2-3 clics, vous pouvez exporter votre site en entier directement sur votre hébergeur. Et ça, c'est plutôt sympa. Est-ce que je me trompe? Jamais utilisé. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, en plus, un tuto, je sais que c'est un sujet récurrent, il faut que je traite le sujet. Donc, la version pro locale, non, jamais testé. J'ai testé 2-3 sites en démo pour local, justement, mais pas en version gratuite, simplement. Ok. Donc, je ne vais pas le télécharger ici parce que je l'ai déjà fait, parce qu'il est très gros, très gourmand.
Donc vous cliquez, bah, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu l'anglais, ici on dit or download for free, donc vous cliquez dessus. Là vous allez avoir une sélection de plateformes, hein, donc si vous avez un Mac, vous choisissez Mac, si vous avez Windows aussi, si vous avez Linux et ainsi de suite. Donc là j'ai choisi Windows et vous avez qu'à mettre votre email et taper sur Get It Now. Donc, voilà, vous allez recevoir un petit mail, genre une petite pub, hein, vous disant merci beaucoup d'avoir téléchargé local. Et voilà comment ça se présente. Donc je double-clique, hein, je reçois ici local. Alors, pour l'installation, c'est simple. Hein. Vous double-cliquez, suivant, 10 000 fois, et vous tombez sur la possibilité de créer un site internet. Donc, local. Voilà comment ça se passe. Pour créer un nouveau site, vous avez le plus qui se trouve en bas à gauche. Donc vous cliquez dessus. Voilà, et vous lui donnez son nom. Donc là, on va dire, allez, parce qu'Alexis est là, donc je vais le renommer Alexis. Voilà, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc ici, local site domaine, c'est alexis.local, donc c'est-à-dire qu'en cliquant, enfin en mettant sur votre navigateur alexis.local, vous allez tomber sur le site que vous allez créer. Ici, c'est le site, enfin où se trouve le site, où va se trouver le site physiquement sur votre ordinateur. Et je clique sur continue. Alors, je regarde s'il y a des questions. Pour l'instant, ça va, ça se bouscule pas. Je crois qu'il y a eu un gros bug, hein, sur Facebook. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, tant pis. Dommage. Donc, là, on va vous demander l'environnement que vous préférez. Donc, l'environnement, c'est quoi? C'est tout simplement, pour alimenter WordPress, il a quand même besoin de... Ben voilà, hein, pour une maison, on a besoin d'une fondation. Ben là, WordPress a besoin de moteurs derrière pour pouvoir le démarrer. On a besoin, généralement, d'un moteur PHP, d'un moteur MySQL, et puis une version Apache. Mais là, on va rentrer trop dans le technique et j'ai pas envie du tout. On a une heure. D'ailleurs, on a même plus que 35 minutes. Tu vois, ça passe vite. Hein. Ouais. Ça passe vite. Donc, on reste toujours sur le préféré. Hein. Voilà, on s'embête pas. Je ferai une vidéo spécialement vraiment en cliquant sur custom. Qu'est-ce qu'on doit choisir et pourquoi on doit choisir ça. Mais pour l'instant, on reste sur préféré. On clique sur continue. Et là, on donne un nom d'utilisateur pour WordPress. Donc là, je vais mettre admin. Alors, surtout, ne mettez jamais admin. C'est là où je viens de percuter un petit peu. Admin est vraiment un login ou un nom d'utilisateur qui est utilisé par la majorité des pirates. Je ne sais pas si tu confirmes ce que je viens de dire, Alexis, mais admin et root, donc R-O-O-T, hein, et pas les routes du paradis, mais root, R-O-O-T, sont souvent des noms d'utilisateurs qui sont utilisés par les pirates et donc va essayer tous les mots de passe possibles pour pouvoir entrer sur votre site internet et pouvoir le casser, voilà, tout simplement. Donc, en nom d'utilisateur, essayez de mettre un prénom, mais vraiment un prénom genre pas commun ou quelque chose que... Voilà, vous pouvez mettre lumière, voilà, c'est pas un prénom, mais jamais je pense qu'un pirate aura l'idée, enfin juste peut-être en regardant ma vidéo par la suite, mais voilà, on sait pas, on va mettre lumière. Alors... Ici, bien sûr, on est en local, hein, pas de panique, il va rien se passer. Mais par contre, alors là, j'ai une personne qui vient de faire plein de smiley. Alors, à mon avis, pour le login. Donc, le login et le password. Donc, le password, on va mettre test. Hein, mais je vous conseille toujours de mettre une minuscule, une majuscule, un caractère et un chiffre. Voilà, minimum, mettez ça. Vous êtes des développeurs ou des futurs développeurs, n'oubliez pas que la sécurité est très importante. Donc là, je vais mettre un email, voilà, donc je vais mettre info@mrsamform.net et je clique sur Add Site. Alors, pas besoin de regarder les options, hein. On va vraiment aller dans le plus simple aujourd'hui. Je rajoute mon site, donc là, il fait son petit, sa petite meeting pot, hein. il va mettre sa confiture, etc. On attend un petit peu. Tu veux peut-être rajouter quelque chose? Moi? Non. Non, bah non. Ok. Donc on attend un petit peu. Ouais, c'est des longues secondes. Des longues secondes où il faudrait meubler tout ça, mais on n'arrive pas à meubler. On attend, qu'est-ce qui se passe? Ok, voilà, c'est créé. Voilà. On a donc notre site internet. Non, on a plutôt notre panel, notre panneau de configuration. Donc ici, donc on a notre domaine. Alexis.local, le SSL. On va pas aller trop dans les détails, on va quand même rentrer directement dans WordPress. Et vous avez l'avantage,
Je ne sais pas si c'est l'avantage, mais vous avez l'honneur, et moi aussi je vais avoir l'honneur parce que je le découvre en même temps, bien qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais la toute nouvelle version de WordPress qui est la 5.8 qui est sortie ben, aujourd'hui, me semble, aujourd'hui ou hier, ou alors dans la nuit, je ne sais plus. Donc, on clique sur... Alors, vous avez deux boutons ici en haut à droite, Admin et Open Site. Alors, Admin, ça va vous rentrer dans le côté administrateur de votre site, donc un peu les bonhommes derrière qui travaillent. Et puis, vous avez l'avant Open Site, donc lui qui est juste l'avant. Enfin, ce que monsieur et madame tout le monde va voir quand il va aller sur votre site internet. Donc là, hein, vous voyez, hein, c'est tout simple, c'est basique. Voilà, c'est vraiment basique. Et vous allez voir quand... quelques minutes, on pourra changer facilement cette interface. Donc je reviens ici, je mets donc mon fameux super login qui est lumière, et puis mon super mot de passe que je vous conseillerais donc de sécuriser tout ça. Donc le petit problème peut-être qui va s'effectuer pour vous, c'est que WordPress est entièrement en anglais. Alors vous allez voir, c'est super facile pour changer en français. Il suffit juste d'aller... Alors vous avez... Alors, un petit peu pour détailler, hein. Sur le côté gauche, vous avez un peu tout ce que WordPress va vous proposer. Hein, là, pour faire des posts, ici, pour faire du contenu multimédia, donc tel que des vidéos, des photos, etc. Des pages, donc rajouter des pages, mettre des commentaires, et on va s'amuser. Mais je vais déjà peut-être le passer en anglais, en français, pardon. Donc là, je vais dans Settings, Général. Donc Settings comme paramètre, Général ben, comme Général. Et ici, dans le langage, vous avez la possibilité de le choisir en français. Donc voilà, tout simple, hop. Alors vous avez même trois différents types de français, hein, français de Belgique et français du Canada. Je ne sais pas la différence. Est-ce que tu as une idée de la différence entre les trois? Non, okay, bon. Non, il doit y avoir des petites subtilités, les termes et tout, mais français c'est bien. Ouais, on va rester sur français, ouais. Donc français, ouais. Tout en bas. Alors désolé pour vous, pour nos amis belges et canadiens, mais bon, voilà. Donc français, je clique sur Save Change en bas, et normalement, mon site, voilà, s'est transformé entièrement en français. Donc, je ne sais pas par contre si les messages sont passés en français. Non, non, non. Tout ce qui est contenu, tout ce qui est contenu en article est resté en anglais. Donc ici, donc titre du site, c'est Alexis. Alors, pour vous dire le titre du site, on le retrouve ici, vous voyez, en haut de la page, hein, dans le titre, on trouve Alexis. Et juste à côté, on a une petite phrase, « Just another WordPress site ». Voilà, ça, on peut le changer. Donc, imaginons, je le change ici. « Le meilleur des formateurs WordPress ». Voilà. Je clique sur « Enregistrer les modifications ». Si je reviens sur le site que monsieur, madame, tout le monde va voir, si je le rafraîchis, je trouve donc Alexis-le meilleur des formateurs. Et voilà. Donc c'est... Voilà, vous allez voir. Vous allez me dire, ouais, mais c'est simple, j'arrive à le faire, ça c'est super facile. Mais doucement. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer sur... Alors, je suppose que tu es pro Elementor ou pas? Est-ce que je suis pro Elementor? Ouais. Non, plus non. Aujourd'hui. Mais j'aime toujours beaucoup Elementor. Donc après, ça okay. Dépend où tu veux aller avec le live. Je vais aller vraiment super vite pour montrer comment on fait quelques pages très facilement, très beau, en quelques clics. Alors, ouais. Il me semble que de mémoire, donc il y a Elementor, il y a Divi. Alors. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on avance ensemble et je te dis quel outil on utilise ou est-ce ouais, que tu voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Comme tu veux, c'est toi qui me dis. Allez, je laisse le meilleur des formateurs guider. Ok, bah on va éviter Elementor parce qu'il y a plus simple. Ok. Donc on va tout de suite aller dans les extensions. On en parlait en début de live. Donc on a un petit menu extension et on va tout de suite aller ajouter des extensions. L'idée, c'est d'utiliser l'éditeur de page qui existe déjà dans WordPress pour construire ses pages. Donc cet éditeur de page, on l'a par défaut. Hein. Quand on va dans page, on crée une nouvelle page. Et on va pouvoir construire nos pages comme ça. L'ennui, c'est qu'il va nous manquer des outils. Ça ne va pas nous permettre d'aller assez loin. On va ajouter justement ce qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc, on va utiliser okay. Une extension qui s'appelle Cadence, donc avec un K, K-A-D-E-N-C-E. Oui. Je te dis que c'était pour... je ne sais pas si j'ai un retour en direct. K-A-D. Il y a peut-être un peu de latence, c'est pour ça. Ouais, D-E-N-C-E, Cadence Blocks, B-L-O-C-K.
Et comme cet éditeur, pour construire des pages pour notre site internet, il a un système qui fonctionne en blocs, cette extension qu'on va ajouter, ça va nous permettre d'ajouter en fait plus de blocs. Et avec tous ces blocs-là, comme des Lego, on va construire nos pages. Alors, je ne sais pas si... K-A-D-E-L-C-E. K-A-D-E-L-C-E. D-E-N-C-E, ouais, ouais. Fonctionne pas ? J'ai l'impression qu'il ne veut pas. Ah oui, si, Cadence. Ok, Cadence. J'ai plusieurs. Hein. J'ai Gutenberg Block by Cadence Block. Cadence, c'est le premier. Gutenberg Blocks. Ok, donc je l'installe. Donc voilà, alors je vous ai parlé tout à l'heure des boules qui se met autour. C'est ça. Et puis on va l'activer immédiatement. Donc sur WordPress, il faut activer volontairement. C'est en deux étapes. Installer, activer. Donc là, on active. Ok. Tu me dis si j'ai un peu de retard hein, par rapport à ce qui se passe à l'écran, parce que je pense qu'il y a un petit peu de latence. Donc, des fois, je te fais peut-être attendre pour rien. Mais donc, voilà. Suite à ça, alors, ce qui peut être bien quand même, c'est de prendre juste connaissance avec comment on construit des pages dans un premier temps, sans même parler de ce qu'on vient d'installer. En fait, ça, s'il y a un menu qui s'appelle page, c'est pas plus compliqué. Il faut aller dans page. Et là-dedans, on va avoir toutes nos pages, on va pouvoir les créer une par une et on va se retrouver en face de l'éditeur qui va nous servir à les construire même de façon visuelle, comme des Lego, comme je disais à l'instant. Donc pour ça, bah, on va pouvoir cliquer sur « Ajouter » par exemple une page et on aura cet éditeur, ce fameux éditeur qui s'appelle Gutenberg. C'est pour ça qu'il y avait Gutenberg juste avant dans le titre. C'est le petit nom qu'on lui a donné pour les initiés. Voilà. Là, ce qui nous, alors suivant l'éditeur, c'est au début, on s'en fiche. Là, il y a les petites couleurs un peu bizarres, pastel, chelou. Là, c'est juste lié au thème qu'on a, qui est là par défaut quand on arrive dans WordPress. Est-ce que on explique rapidement juste le principe quand même des thèmes, et puis autant changer tout de suite pour enlever ce truc-là? Ouais, on peut rentrer dans les thèmes, ouais. Donc je ressors en fait du menu, hein, on est d'accord. Ouais, tu peux ressortir donc en haut à gauche en cliquant sur WordPress, et puis. Il y a en gros l'alpha et l'oméga dans WordPress, c'est les extensions d'une part et les thèmes d'autre part, même si WordPress évolue de telle sorte qu'il y ait de moins en moins besoin de passer du temps sur cette notion de thème. Mais ils existent toujours. Et donc, quand on va dans apparence thème, on ajoute un thème et où on a des thèmes qu'on a déjà. Donc là, par exemple, il y en a trois de déjà installés et un seul d'activé. Donc, ce que je disais avant, hein, il y a des choses qui sont installées et ensuite, il faut les activer. Donc, il y a aussi deux autres thèmes installés. On va tous les supprimer. C'est le truc qu'il y a par défaut de WordPress. On ne s'en sert jamais. Et nous, on va ajouter notre propre thème. Comme ça ressemblera à un vrai site normal. donc, on peut supprimer les trois. Il faut cliquer dessus. On clique sur le thème. Et quand on clique dessus, après, je ne sais pas si là, tu cliques sur... Voilà. Et tu as en bas à droite. Alors, celui-là, c'est celui qui est actif. Donc, pas celui-là. Juste les deux autres d'abord, tu peux les supprimer. Ça permet de faire le ménage un petit peu, en fait, de supprimer. Comme ça, on comprend un peu mieux ce qu'on fait. Donc, dans les thèmes... 2019, en bas à droite, là, on supprime. Et puis l'autre, pareil. 2020. Ok. Ouais. Et puis, bah, on va pouvoir ajouter notre thème. Donc, ça va être le même nom. Ça va s'appeler Cadence. Donc, ajouter, on tape Cadence. Et puis, on fait installer, activer. Alors, Cadence, hop. Et donc, bah oui, le thème, c'est finalement tout simplement pour modifier l'en-tête, ce qu'on a toujours en haut d'un site, hein, le menu. Qu'on appelle l'en-tête ou header, très souvent en anglais. Et puis, bah, en anglais, footer pour le pied de page en bas de tout le site. Donc, très souvent, le thème sert à modifier ces deux parties-là. Et ensuite, il y a d'autres aspects, mais je pense que ça ne sert à rien de rentrer plus dans plus de détails techniques. Juste en-tête, pied de page. Et voilà, et ce sera déjà bien. Alors, c'est le temps qu'il installe. Cyrine, oui, Cyrine, c'est enregistré automatiquement sur YouTube, c'est enregistré, donc tu pourras le revoir à partir, juste à la fin, tu pourras tout revoir. L'installation typiquement d'un thème, d'un plugin, ce genre de choses, ça prend plus ou moins de temps, ça peut dépendre notamment du serveur. Hein. Donc là, tu travailles en local, voilà, si moi j'étais chez Cloudways, là tout de suite, ça irait 10 fois plus vite. Comme ça, d'un claquement de doigts. Ouais. Donc d'où l'importance de choisir son hébergeur sans non plus y passer 10 ans. Ça ne sert à rien de passer trop de temps là-dessus, parce qu'au final, la plupart des gens ont besoin d'un site assez simple.
pour lequel la plupart des hébergeurs font taf. Et je veux pas perdre de temps sur les trucs qui sont pas essentiels à votre activité ou votre projet, quoi. Ok, donc c'est activé. J'ai supprimé le dernier qui était le 20, je sais plus maintenant, 20, ouais. Donc il nous en reste plus qu'un seul, c'est le cadence. Ouais, donc maintenant là, il y a une petite banderole là qui m'intéresse beaucoup, qui est juste en haut là, installer Cadence Starter Template. Ça m'intéresse parce que ça va ajouter une autre extension qui va en fait nous permettre d'installer en un claquement de doigts un site entièrement déjà construit. Toutes les pages sont déjà faites. Le design est déjà fait. Vous avez déjà un site pro. Donc là, on va cliquer sur Gutenberg, c'est ce qui nous intéresse. Et évidemment, ça vient avec des avantages et des inconvénients. On gagne beaucoup de temps, d'énergie. Ça a l'air beaucoup plus simple. L'inconvénient, peut-être, on comprend peut-être un peu moins ce qu'on fait que si on part de zéro. C'est comme tout, hein. Mais bon, ça reste quand même super intéressant. Vous gagnez beaucoup de temps. L'autre inconvénient surtout, c'est que vous importez plein de contenus démo et c'est en anglais. Parce que, évidemment, ils ne bossent pas en français sur tous ces trucs-là. Donc, ça va être à vous après de revenir sur toutes les pages qui ont été importées, tout le travail qui est déjà pré-mâché, et de changer les images, les textes, supprimer ce qui ne vous intéresse pas, mettre du contenu en français et pas en anglais, etc. Ok. Donc là, si on fait vraiment comme si on gagnait un max de temps et qu'on va vraiment le plus rapidement possible pour montrer que créer un site, ce n'est pas forcément compliqué, on peut prendre ce chemin-là si tu veux. On peut partir là-dessus et installer donc ces fameux templates. On va en installer que un ou on peut en choisir plusieurs? Un seul. Non, c'est parce qu'une fois qu'on installe, après, tu as toutes les pages qui sont là avec le truc. Il ne faut pas s'amuser à en installer un, puis ensuite en installer un autre. On en choisit un, mais on peut cliquer sur n'importe lequel. Ça nous permettra d'avoir une prévisualisation de à quoi le site ressemble. Comme ça, si jamais ça ne nous plaît pas, on peut revenir en arrière avec le petit plus là en haut à gauche, regarder les autres démos, etc. Okay. Donc là, à partir de cette prévise d'une démo, on peut même carrément changer les palettes de couleurs, les styles de caractère, de police. Donc, c'est magnifique. Tout le volet qui est à gauche, donc c'est super pratique. Voilà, j'aime bien le orange, je vais mettre du orange. Ouais. Et je vais mettre du texte un peu plus... Voilà, comme ça, et c'est bon. Il est très important de noter que tout ça, c'est vraiment pas gravé dans le marbre. Vous avez les pleins pouvoirs en écriture, lecture sur votre site, vous faites ce que vous voulez. Donc là, on importe ça comme ça, mais ensuite, si vous voulez que ça ressemble à pas du tout ça, mais autre chose plus tard, c'est évolutif, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez tout changer, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, une fois qu'on a choisi une démo, et du coup, je te laisse choisir ta démo coup de cœur, je te laisse choisir ce que tu veux, il suffira de cliquer en bas sur Full Site. Full Site, ok. Single page, c'est uniquement pour importer une seule page qui nous plaît du site. On va faire simple, on va installer tout un site, donc Full Site. Et puis, donc là, j'ai une petite, un petit souci, j'ai besoin de LearnDash. Ouais, non, là, c'est parce que c'est pour... On a voulu installer un site démo qui était fait pour des formateurs qui vendent des formations, des choses comme ça. Je pense qu'il n'y a rien à rentrer là-dedans. autant installer une démo plus simple. Allez, je reviens en arrière et je vais choisir, voilà. C'est simple, c'est beau, c'est clair et je pense qu'il n'y a rien à vendre dedans. On choisit la petite palette, comme tout à l'heure, en orange. On choisit l'écriture. Il a gardé comme je voulais. Je fais full site. Et là, je fais Start Importing, je suppose, pour importer toutes les données. Ok. J'espère que ça fonctionne bien en local, parce que je sais qu'importer du contenu comme ça, avec ce genre d'extension, je sais qu'il y a des petits soucis en local. Sachez que si jamais il y a un souci en local, ce qui peut arriver, ça n'arrive pas sur un site. Si vous avez votre site chez OVH ou n'importe qui, ça fonctionnera nickel. Hein. C'est juste lié au fait que votre site est en local. Ça peut arriver. Je pense que ça va bien se passer, j'espère. C'est là. Finished, c'est bon. View your site. Donc, si je clique sur View your site, je peux voir mon site. Voilà, il est là. En deux clics, donc là, vous avez un site complet. Vous avez un site internet, il est là. C'est pas le vôtre, mais il est bien. Il faut vous le réapproprier. Quoi. Du coup, évidemment, c'est du contenu démo. C'est là pour vos beaux yeux. C'est juste qu'il faut mettre votre logo, vos couleurs, vos textes. Vous changez, vous appropriez tout ça. Mais c'est ce qui s'appelle travailler avec des sites démo qui sont déjà tout faits. Même les professionnels s'en servent beaucoup parce que finalement, ça permet de gagner énormément de temps. Et après, chacun a sa manière de travailler. Mais il y a plein de gens qui se servent de ces sites démo. Et c'est super cool pour gagner un maximum de temps. Ok. Donc maintenant, on peut aller sur chacune de ces pages et puis les modifier, hein, tout bêtement. Donc modifier. Supprimer celles qui ne nous intéressent pas, ainsi de suite.
Bon, alors on va commencer par la home, parce que c'est quand même la première qui arrive en page d'accueil. C'est about, je pense que tu as cliqué, donc la page à propos. Ouais. Home, page d'accueil. Et voilà. Et après, on s'amuse à changer. Donc vous cliquez n'importe où. Et n'importe où, c'est cliquable ou sous-entendu éditable. Vous pouvez éditer n'importe quoi, des images, le fond, du texte. Là, après, il faut se familiariser avec le constructeur. Il faut comprendre comment il fonctionne. Je ne sais pas à quel point tu veux rentrer dans le détail du fonctionnement du constructeur, mais peu importe où on clique, on peut changer le texte, changer une image, changer une couleur, etc. etc. Et tout ça, ça se passe sur le petit volet à droite. Tout, partout où on clique, à droite, vous avez plein d'options pour changer plein de choses. Ok, donc c'est sur la droite que je peux changer tout ce qui est texte, par exemple. Tout ce qui est texte, d'accord. Exactement. Après, okay. Les blocs, il y a un système de blocs, il faudra vous y habituer. Et les blocs ont plus ou moins d'options. Il y a des blocs qui sont tout bêtes et il y a trois fois rien dedans. Le bloc que tu sélectionnes, là, tu vois, il y a plein de trucs. Donc, quand on ne sait pas ce que c'est, on n'y touche pas. C'est qu'on n'en a pas besoin. Et sinon, on prend le temps de regarder chaque réglage, ce que ça fait, etc. Ok. Si, par exemple, je voudrais aller à la ligne dans formation. Là, j'aimerais bien, par exemple, mettre formation et en dessous informatique. Là, j'ai ce petit bug. Alors, je ne sais pas si c'est bug, mais je vais dans formation, je fais enter. Et là, je tombe sur carrément... un bloc complètement différent. Est-ce normal? Oui, c'est un système de blocs. Donc, soit on est en train de taper, si c'est un paragraphe, on est en train de taper un paragraphe. Dans ce cas, il n'y a pas de souci. Tout ça, ça reste dans le même bloc. Si on veut un à la ligne, mais que ça reste dans le même bloc, oui. Il faut rester sur la touche, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est Tab, hein, le nom de la touche, je crois. On reste appuyé sur la touche Tab. Et quand on fait ça, on est toujours dans le même bloc, du coup, et on peut faire un retour à la ligne. Ok, d'accord. Petite particularité liée à cette espèce de fonctionnement en brique de Lego. D'accord. En tous les cas, la fonction annuler fonctionne. Donc si vous faites des bêtises, ça fonctionne. On voit aussi le retour en avant, en arrière. Ça, c'est assez récent dans WordPress. On voit ça en haut à gauche. Ok. Alors en haut à gauche ici, donc ouais, j'ai les fameuses flèches pour venir en arrière. Ok, d'accord. Et qui fonctionne très bien avec le clavier en tous les cas, pour les habitués. Donc ici, je suppose que c'est médiathèque, donc on peut mettre des petites images, on peut mettre carrément des images, oui, voilà. Je veux mettre par exemple cette personne là-dessus, je fais ajouter, mettre à jour la galerie, hop, ça se met dessus. Voilà. Ouais, exactement. Je me suis trompé, je reviens en arrière. Avec les sites démo, comme on l'a fait, c'est qu'il y a une notion quand on crée des sites internet qu'on dit de design responsive. Ça veut juste dire qu'on fait en sorte que le design de nos pages de notre site soit accessible et propre sur tablette, mobile et puis sur n'importe quelle taille d'écran du futur. Donc ça implique de faire attention et de regarder à quoi ressemble son site sur une tablette ou un téléphone par exemple. Et l'avantage des sites démo tels qu'on l'a bossé, c'est qu'en fait, forcément, ils ont déjà bossé pour que les pages elles soient bien. Votre site démo, il est déjà tout préfait d'avance. Donc là, tout ce que vous avez, vous voyez qu'en fait, le comportement est déjà nickel. Votre site, il est bien sur téléphone. OK. Alors que si vous le faites de zéro, c'est à vous de faire ce travail-là. Donc voilà, c'est un petit avantage en plus. Non, mais ce système de blocs est bien fait, quoi. Et c'est Gutenberg, en fait, hein, qui fait le système de blocs. Ouais, absolument. OK, d'accord. C'est une évolution assez récente de WordPress. Hein. On ne va pas se cacher que ça n'existait pas trop ces dernières années. Et là, juste depuis 2018, ça existe. Et c'est vraiment démocratisé depuis l'année dernière. Et là, ça prend vraiment son envol. Avant, c'était des outils de professionnels tiers, d'autres entreprises qui créaient ce qu'on appelait des constructeurs de pages. Et on pouvait construire des pages. Maintenant, WordPress fait ça tout seul comme un grand. Maintenant, en termes d'expérience, il y a d'autres outils qui sont peut-être plus agréables que celui-ci. Parce que celui-ci, finalement, il est encore assez nouveau. Maintenant, en termes de compréhension de comment on crée un site internet, utiliser juste Gutenberg et ses fameux blocs et ce qu'on a là sous nos yeux, c'est infiniment plus simple à comprendre, je trouve, comment on crée un site internet et comment ça fonctionne. Ok. D'accord. Donc, on est d'accord, ici, là, en quelques clics, on vient de faire un site internet qui est disponible, mais vraiment pour tout le monde. On est d'accord. Et en plus de ça, il est responsive, donc c'est-à-dire compatible pour les tablettes et aussi compatible pour les téléphones, en gros. Et puis, comme tu as dit, Et il est rapide, il est performant. Et en plus, il est performant, oui. Les grands avantages de Gutenberg, c'est que même quand on ne fait rien du tout, on ne fait aucun effort, et le site est vraiment plus rapide que la plupart des sites web que vous trouverez sur Internet. Même si vous ne faites pas de travail, de faire attention d'avoir un site rapide et tout, globalement, il y a un bon terrain pour avoir un site rapide sans effort.
Ok, d'accord. Est-ce que tu as quelque chose éventuellement à rajouter comme, comment dire, comme petit module, voilà, pour agrémenter le tout. Ou alors on est déjà bon. Si là par exemple je suis sur cette page et puis je me dis, allez, tiens, Sam, là maintenant j'aimerais bien rajouter une vidéo. Est-ce qu'il y a un module spécial qui pourrait exister, qui justement pourrait intégrer la vidéo et toujours en respectant ce côté responsive? Non, non nécessaire. Pour les extensions, WordPress gère ça tout seul nativement. Donc, ah oui. Il suffit d'ajouter un bloc qui va justement intégrer automatiquement une vidéo. Donc, je crois que le fonctionnement, même par défaut, c'est qu'il n'y a même pas besoin de se préoccuper de mettre le bon bloc. Vous allez prendre une URL sur YouTube ou sur Vimeo, vous la glissez dans un paragraphe, par exemple. Enfin, quand vous faites un retour à la ligne par défaut, tu sais, tu l'as dit juste avant, ça automatiquement, ça va dans un autre bloc. Oui. En gros, donc, ces blocs par défaut qui sont des blocs où il n'y a rien vide, enfin, c'est des blocs paragraphes, hein, c'est juste des blocs où tu pourrais écrire du texte. Si tu mets une URL dans cet éditeur, ça va automatiquement créer le player YouTube. Ta vidéo est intégrée et ça suffit. Il y a des trucs à faire hein, pour que la page soit encore plus rapide, même quand il y a des vidéos dedans et tout. Il y a des extensions, mais je trouve que c'est, comme disent nos amis anglo-saxons, c'est overkill. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop à apprendre là dans un premier temps. Ça ne sert à rien que vous appreniez ces trucs-là. Enfin, c'est trop. C'est too much. Ok. Bon, là, j'essaye d'intégrer une de tes vidéos, mais ça ne prend pas. Ouais, non, pas nécessaire. Il n'y a même pas besoin de faire ça. Tu peux retirer le bloc que tu as fait là. Ok. Retire-le. Tu as dans les trois petits points du bloc, sur le petit menu flottant quand tu es dedans, tu as trois petits points et tu peux supprimer dans le menu. Ok, alors retirer le bloc, d'accord. Retirer le bloc. Et donc, mets-toi juste... j'ai pas le retour en direct, donc je sais pas si tu es en train de le faire. Là, j'ai retiré. Ouais. Tu fais créer un paragraphe, par exemple, si tu veux, juste paragraphe. Et une fois que tu as créé un bloc paragraphe, qui est donc un bloc vide, là, tu mets l'URL dedans et ça fera ta vidéo. Non. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Il faut juste savoir, aujourd'hui, en 2021, en un copier-coller, on vient de mettre une vidéo sur WordPress. Il faut savoir qu'il y a 10 ans en arrière, c'était impossible de faire ça. Impossible, il fallait avoir une extension qui gérait justement WordPress et tout. Et on n'avait pas encore cette solution de tablette, smartphone, et puis étendre toute cette vidéo. Oh, ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, alors là, je suis choqué. Voilà, je suis choqué, c'est tout. Voilà, et ça marche en plus, c'est ça le pire. Donc là, si je le fais en mode... Et là, si je fais... si je le redescends... Alors, à mon avis, je vais retrouver la vidéo un peu plus en dessous. Non, je la retrouve plus. Oh, qu'est-ce qui se passe? Descendre, hein. Elle est en bas. Elle a disparu. Peut-être mettre à jour. Non, non, pas de problème. Hein. C'est un bloc comme un autre, donc... Donc là, je vais alléger un petit peu. Ah non, elle est là, la vidéo, mais dès que je compresse un petit peu, hop, hop, elle est là. Alors, elle est encore en mode tablette, mais dès que je passe en smartphone, elle disparaît. Alors, à mon avis, il doit y avoir un petit code à revoir juste derrière, mais bon, c'est déjà pas mal. Ça peut venir de plusieurs choses, donc je ne saurais pas te dire. En fait, je pense peut-être savoir, mais après, si on commence à rentrer dans ça, dans les... Ouais, on va rentrer, ouais. Là, c'est plus... Peut-être c'est lié au bloc dans lequel on s'est mis, si c'est à l'intérieur d'une section, qu'il y a des... Parce qu'il peut y avoir des trucs plus ou moins... Il y a une granularité plus ou moins importante de réglage. On peut aller très loin, on peut dire, ah, bah, je veux que cette section, elle disparaisse quand on est sur mobile. Ça permet de faire des choses justement qui sont ce que j'appelais responsive, etc. Et donc, ça se trouve, il y a un truc lié à la vidéo. Moi, en tout cas, là, ce que tu viens de faire, moi, je n'ai jamais vu. Donc, je pense que la plupart des gens n'ont pas de problème. Vous glissez une vidéo n'importe où, vous aurez votre vidéo sur mobile, il n'y a aucun problème. J'ai fait ça 40 000 fois. Donc, Puis, il faut ne pas oublier également que vous êtes en local. Donc, en local, ce n'est pas forcément toujours aussi la même chose qu'un véritable site qui est hébergé sur un site tel que OVH ou autre. Ok, bah écoute, on a fait déjà un petit pas quand même sur les pages. Il faut savoir également, j'ai eu aussi ce petit bug. Alors je ne sais pas maintenant si c'est par défaut comme ça. Je ne sais même pas si c'est, je peux dire ça si c'est un bug, mais généralement quand on commence à faire un site,
on n'a pas notre page d'accueil directement. On part. Alors, effectivement, là, je pense que avec ton extension que je ne connaissais pas du tout, hein, j'ai appris comme vous tous, d'installer un plugin comme tout à l'heure, comme on a fait. Mais ici, dans les réglages de lecture, généralement, on a toujours les derniers articles par défaut. Donc, ne vous inquiétez pas si vous créez une page et que vous ne trouvez pas cette page, venez toujours dans réglages lecture et choisissez une page statique et là, choisissez la page que vous avez créée. Voilà. C'est d'ailleurs pourquoi il n'y a plus de cheveux sur ma tête. Je me les suis tous arrachés. C'est tous des petits trucs comme ça qu'on trouve pas forcément tout de suite et ça nous prend la tête. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. J'ajoute aussi, là, on voit, il y a des pages en anglais, hein, mais il ne faut pas les laisser en anglais. Il faut aller dans pages, puis vous les renommez, vous leur donnez un titre en français, etc. Enfin, vous comprenez bien qu'il y a un travail de traduction, de tout ça, de vous, comme je disais plus tôt, de vous réapproprier le site. Il ne faut pas laisser, évidemment, les trucs en anglais. Alors, du coup, si je mets ici accueil, est-ce que ça va changer dans mes pages? Oui, directement. Il faut savoir aussi les permaliens qui sont très importants sur le côté, qui les met à jour. Je ne sais pas. Là, on ne le voit pas. Ah, oui, puisque tout est caché, vu que c'est en local, alors je ne sais pas. Il y a plus rapide pour changer le permalien qui peut être plus simple à trouver pour les gens. Juste si tu reviens en arrière à la racine, là, avec toutes tes pages, tu cliques sur modification rapide au lieu de modifier. Et modification rapide, ça te donne direct la modif du titre, mais aussi de l'URL, si je ne dis pas de conneries, hein, normalement. Génial. génial. C'est plus rapide à trouver. Donc, Ok. Donc, c'est Slug, hein, c'est ça? Slug. Ouais, le Slug, c'est ça. URL. Ok. Ben voilà, on apprend tous les jours. Hein. Voilà, on apprend tous les jours. Alors, ça touche à sa fin, hein, puisque... Alors, sauf si tu as quelque chose encore à nous donner comme super extension, comme ça, là, comme ça. Tu la sors de la poche et tu dis, ah, ben tiens, celle-là, on va en avoir besoin aussi. Est-ce que tu en as une? C'est un vaste sujet, parce que quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, on se dit, ah, mais j'ai besoin de ça, de ça et de ça. Et en fait, on n'arrive plus. Dans un bac à sable, et on ajoute des trucs dont on n'a pas besoin. Donc, la seule chose sur laquelle je pourrais éventuellement, juste une deuxième chose, ce serait une extension pour des sauvegardes automatiques. Ok. Donc, vous allez créer des sauvegardes automatiques de votre site extérieur à votre serveur, à OVH, tout ça. Comme ça, ça évite les incidents du style de ce qui est arrivé à OVH hein, cette année, du coup. Ils ont eu un incendie, ils ont perdu certains de leurs serveurs. Il y a des gens qui avaient des sauvegardes de leur site, mais les sauvegardes étaient au même endroit que là où ils avaient leur site. Parce qu'ils avaient fait des sauvegardes automatiques, mais via OVH, etc. Non. Ce qui fait qu'ils ont perdu leur site, ces gens-là, dans l'incendie, mais leur sauvegarde aussi. Donc la morale de l'histoire, c'est qu'il faut toujours faire attention à avoir des sauvegardes externes, extérieures, donc dans un système Dropbox, Google Drive, ce que vous voulez, même sur votre propre ordi. Et donc pour paramétrer ces sauvegardes automatiques dans un service externe, vous pouvez utiliser une extension. Il y en a plein et on peut utiliser par exemple WP Vivid. On peut taper Vivid, V-I-V-I-D, WP Vivid. Je crois qu'il a été dur à trouver. Mais je sais backup pas trouvé. WP Vivid, ouais, backup for main WP. Ouais, c'est parfait. Là, la première avec le petit nuage. Okay. Avec le... Ah non, pas le deuxième. Le petit nuage avec les deux flèches au début. Ah, celui-là 100 000 installations. Ok, d'accord. Ok, moi je l'installe, vite fait, s'il veut bien. Oui, il veut bien. C'est une application... Avec ça, si vous avez un virus demain, vous installez une ancienne sauvegarde. Si vous n'êtes pas prêt d'avoir des virus, hein, si vous faites juste avec les extensions qu'on a vues aujourd'hui. Mais bon, je vous le dis quand même. Si voilà, vous installez une ancienne sauvegarde, si vous avez un problème, vous installez une ancienne sauvegarde. Si vous avez OVH qui brûle, ce qui évidemment arrive une fois tous les 100 ans, bah, vous avez une ancienne sauvegarde, etc. Je ne savais pas que tu faisais plus que 100 ans. Sinon, vous avez dans les différents onglets la possibilité de régler les sauvegardes automatiques. Ok, d'accord. Bon, bah une extension à avoir quand même dans sa trousse à outils. Absolument. Dans sa trousse à outils. Ben écoute, Alexis, un grand, grand merci d'être là, merci. D'avoir participé. Alors, pour répondre à quelques questions, c'est quoi le nom de l'appli qui tourne derrière en vert? Alors, derrière en vert, je pense que c'est l'application locale WP. C'est ça. Donc ça, c'est l'application justement pour démarrer WordPress et pouvoir travailler comme on vient de le faire. Et voilà. Et Adrien qui dit peut-être aussi Yoast SEO. Ah voilà. Alors,
Adrien, on rentre dans un gros sujet, mais vraiment un gros, gros sujet, qui est le référencement. Et là, vraiment, une heure, ça ne suffira pas. Et je pense qu'Alexis peut le témoigner parce qu'il y a une sacrée formation à suivre derrière. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller sur son site. D'ailleurs, je vais le mettre en description tout de suite. Et de prendre vraiment ces formations qui sont vraiment géniales et vous allez vraiment apprendre énormément. Déjà, même sur sa chaîne YouTube, vous apprenez mais vraiment quelque chose. Vous apprenez WordPress, tout simplement. Il vous prend WordPress, il vous le découpe en deux et vous apprenez des choses incroyables. Donc, allez-y, foncez. Et moi, je te répète encore un grand merci d'avoir participé à ce live ce soir. Je suis vraiment désolé que ça n'a pas fonctionné sur Facebook. La prochaine fois, je ferai au mieux. Je ferai d'autres tests avant. Et puis, également. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. Et éventuellement, je te dirai peut-être à bientôt. Hein, on ne sait jamais. Ouais, bien sûr. Merci. Et moi, je vous dis. Et puis, à la prochaine. À la prochaine, les amis. Allez, ciao. Ciao.